Ah là, c'est un peu mieux là. Dans ta tête, tu dis mais comment tu peux progresser en une vidéo? Ça va t'éclaircir, tu vas comprendre, on va analyser des vidéos, on va voir mon match, on va... Les gars, c'est complet, donc juste de la dinguerie. Yo la Delta Family, là c'est clairement grosse vidéo, je suis trop content parce que ce week-end, là, on va jouer contre Fortnite et c'est les premiers. Et c'est juste trop bien parce que c'est une bonne équipe et juste pour ça, ça va être carrément de la progression de folie pour tout le monde. Enfin, je l'espère. Et en tout cas, vous allez voir sur ce vlog-là, on a joué un match amical, voilà, on va jouer un match amical. Je vais faire comme si on l'avait joué le samedi, sauf qu'on l'avait joué le jeudi, hein, je vous mens pas. Et puis, voilà, on va voir ce match ensemble. Et puis surtout, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre les highlights de ce match amical sans forcément commenter. Et on va venir analyser le match de Fortnite. Donc un match qu'ils avaient joué contre Celeta, là je suis dessus. Donc la qualité, elle sera pas pépitaresque. Mais voilà, c'est juste, voilà, on va analyser, on va voir un peu ce qui se passe. Je suis pas un analysateur professionnel, je sais pas si ça se dit comme ça. Mais en tout cas, hein, on va pouvoir voir ensemble, hein, quel genre de match on va pouvoir s'attendre, comment ça joue un peu dans cette équipe-là. Bon, c'est entraînement match parce que sinon ça veut dire qu'on a même pas y a même pas de ça veut dire que les frérots sinon il y a même pas de match en gros, ça veut dire qu'il y a pas de vlog rien. Mais comme le coach a assuré et a trouvé un match là jeudi, dites-moi d'ailleurs si le micro ça c'est pas trop ça je fais avec l'iPhone, voilà, parce que la caméra elle est déjà mise. Donc dites-moi juste les frérots, voilà, au niveau du micro, mais en tout cas c'est jeudi, on va jouer, voilà, moi je vais faire comme si ah ouais, on voit bien. Avec le bras. Ah, j'avais pas vu. Ah, je peux juste faire comme ça, en fait. Ah ouais, c'est... je découvre l'iPhone. Mais en tout cas, les frérots, on va faire comme si c'était le samedi. Donc moi, je vais... Voilà, j'ai un shooting photo et tout ça, basket avec toutes les marques que j'ai reçues. Bah, je vais vous emmener dans le vlog. On va aller chercher la personne qui va faire les photos. On va bien rigoler, je pense. Ça va être marrant. Moi, je vais faire du renfort au niveau des jambes. Donc ça va être intéressant. Ça va être un match là contre Nuit Saint-Georges. Donc un match des gars de Dijon. Les gars, c'est bien, c'est un match, et on va avoir du positif, du négatif, je suis pressé d'analyser ça pour aller dans la progression les frérots, tout simplement. Là je suis en chaussettes de contention, t'as eu, c'est stylé. Des fois, tu as peut-être des conseils plus précis, tu vois, tes jambes, tes genoux, puis tu sais, on a un serveur Discord, si le lien est dans la description, ça tu le sais. Mais derrière, si tu veux vraiment une question et de me la poser à moi directement, j'ai le site internet pour ça. Et puis si tu veux un programme dunk pour sauter plus haut, pour travailler ta détente, on a un programme aussi et c'est dans le site internet. Donc c'est le moment. En plus, là, j'ai fait des tarifs vraiment bas.
hein, vraiment bas, et plus tard ils seront plus chers. Donc soit tu prends ta précommande tout de suite et t'es bon pour la suite, soit bah ça va être plus compliqué après pour toi, parce qu'elle est vraiment vraiment très complète. Ceux qui ont déjà participé au programme déjà gratuit qu'il y avait sur YouTube seulement, et bah ceux qui vont participer à ce programme là, vous allez pas vous plaindre s'ils vous dunk sur la tête pendant les matchs, hein, les gars. Eh oui, fallait suivre le programme. Regardez les gars, on est là tout simplement Baller Prize. Les gars, mais là c'est qualité de dingue. Et regardez qui on a fait venir tout droit de Dijon, les frérots. Le DJ, l'unique de Dijon qui met du chata, qui nous enjaille. Dancehall, tout ce que tu Afro. Veux. Et il a la partie photo, les frérots. Il s'occupe aussi de la partie photo. Et là, il y a du lourd, ça sera sur le compte Insta. Les gars, je vous mets juste son compte Insta juste ici au cas où si vous voulez des photos sur Dijon. Il est là, c'est la dinguerie, il a fait du basket en plus avant. Il me connaît du basket déjà de base et voilà. De base, oui. Les gars, là, on est en shooting. Au milieu du terrain de basket, on a fait un peu partout. Et là, c'est pas fini. Et là, c'est pas fini. Ce soir, il part en show, là, DJ à Lyon. Ouais, il est partout. Partout. Là, ça va, on a réussi à l'avoir un petit peu. Il a pris de son temps pour moi et c'est cool. Hein, parce que c'était compliqué, hein. C'était compliqué. Un mois et demi, hein. Un mois et demi, vraiment. Là, il y avait trop d'habits, là, avec Baller Prize, tout, laisse tomber. En plus, qualité de fou. T'aimes bien? Ouais, ouais, c'est carré. C'est carré. Franchement, c'est en plus, de ça brille et tout. Calé, code réduction avec Delta en plus. Carré, carré. Les gars, allez, on continue le petit shoot, là. On était bien dedans. On va mettre la musique. On s'en jaille. J'ai réussi à enregistrer l'écran, donc il y a une partie YouTube, et là, la partie YouTube, je crois que je devrais faire des trucs, des lives, franchement, je suis trop à l'aise. J'ai l'impression de gérer tout un truc, je vais m'acheter tout un setup, dites-moi en commentaire si je fais un truc comme ça, c'est trop stylé, regardez match de basket et tout, bah bref, je m'enjaille, là c'est parti, Fufu, Fur the Nine, c'est parti, le son, on va le faire ressortir là, donc là c'est un truc YouTube, j'ai vu ça, Rixheim, et puis après on va regarder Facebook, ce sera en mauvaise qualité. On se garde la mauvaise qualité pour après, je pense. Ouais, on se garde la mauvaise qualité pour après. C'est parti. Donc là, voilà. Je sais pas, 2021, ça va. Et donc là, les joueurs qui parlent, on va passer. Donc, ouais, parce qu'entre les trucs, ils font des joueurs qui passent. Donc moi, j'avance. Là, boum, il y a une attaque. Ils commencent à défendre. Ouais, contre-attaque, ça joue là. Ils sont en défense à l'opposé. On peut regarder, faut faire gaffe.
ça peut être intéressant. Regardez, à l'opposé là, celui-ci, je pense que vous allez voir mon petit pointillé, il regarde pas forcément. Donc là, tac, on peut essayer des fois attaquer. Boum, ok, là, le rouge est chaud. Hop. Hop, les verts, il vient aider. Donc là, à mon avis, ça va venir aider sur notre grand. Donc ça, va falloir faire gaffe. C'est-à-dire qu'ils vont trapper. Ils ont tendance à trapper. Boum, là, ils jouent sur sortie d'écran. Donc je crois que c'est Steiger, un truc comme ça. Toi, tu vois qu'ils font écran pour le 10. Le 10, tac. Ils coupent à l'opposé. Il y a le ballon. Faudra faire attention là, de faire aide et aider derrière. Il attaque assez facilement. Faudrait pas qu'il prenne le milieu déjà. Donc, ok, là, ça ressort. Il défend loin. Il prend le milieu. Ok, là il emmène à l'intérieur pour venir fermer. Ils emmènent généralement bien à l'intérieur. Hein. Si on leur met, on remet la situation. Boum, ils sont là, ils défendent sur le 3. Le 3 attaque là, l'autre il est prêt à venir aider. Donc il faudra pas hésiter à lâcher bien les ballons à l'opposé si on est dans cette situation là. Ok, bon là ça shoot, voilà, il est en position comme ça. Boum, là, oula, lui la défense. Ah oui, il s'est fait avoir avec le in-out. Je pense qu'on va lui faire 2-3 in-out, lui. Il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé le chef, le in-out. On va la remettre. Comment ça réagit à l'opposé? Lui, il décroche. Il décroche, mais lui, il en a deux. Et voilà, ok. Ok, ça roule bien. Ensuite, prochaine situation. Ah, chef. Ok, ok, là, le 10 est sur son joueur, le 6 il est assez loin. Le 6 il défendra toujours loin, je crois, il défend pas lui. Ok, ok. Comment ça s'est passé là? On va la remettre encore. Boum, il prend l'écran. Tac, il est en bas, il vient de fermer à deux. Il y en a un, ouais, ça vient fermer tout le temps, hein, les gars. On peut vite remarquer ça. Donc là, va falloir lâcher les ballons à l'opposé et se rendre disponible. Voilà, il peut shooter ou autre et puis ça va. Tout va bien se passer. Boum, là on est hop, prise d'écran, il roll derrière, il joue simple. Le petit vert, ok. Puis l'attaque, la défense, ça vient fermer, on regarde à l'opposé. Ça shoot. Ok, bonne attaque. C'est rare que j'analyse les trucs, mais bon, le coach m'a dit de regarder et tout, puis ça peut être intéressant de regarder, donc c'est parti. Là, la petite feinte, boum, il regarde à l'opposé, bon, il se fait. Il va dunker ou pas le chef? Il n'y a même pas de dunk le chef. C'est quand même en 45 minutes. Donc ça coupe. Il laisse assez large. C'est là aussi, je pense qu'il faut mettre le crédit. Tac, tac, ça passe, regarde à l'opposé. Comment ça a défendu là? C'est intéressant de voir ça. Ça serait intéressant de voir. Là, ils en viennent. Ah, ça trappe, ça trappe, ça trappe les enfoirés. Regarde là, tac, il prend l'écran. Il reste sur l'autre pour trapper. L'autre, il prend entre les deux, donc ça va. Ok, on va faire gaffe. Là, ils sont carrément à 4 sur lui. Ça ressort à l'opposé. Ok, bonne situation. Et boum. Ok. Là, qu'est-ce qu'il y a? Hop, hop. Donc ouais, là, ce que je peux analyser, en gros, c'est que généralement, quand tu vas attaquer, ils vont refermer. Ils aiment pas trop quand tu attaques l'axe. Après, quand tu es à l'opposé, bah, soit tu attaques fort, voilà, ou soit tu dégaines un shoot. Donc ça, bon, au moins, on sait. On sait qu'il y aura ça. Faudra faire attention quand on te donne le ballon à bas. Faudra le donner souvent, mais... Ils vont trapper dans tous les cas, donc j'espère qu'il va falloir avoir une vision de jeu aussi externe, c'est-à-dire bien regarder aller à l'extérieur. Là, ça rentre bien, 3 points. Hop, comment ça se passe? Hop, là, ils arrivent. Regarde comment ils se placent en défense. Boum! Ça défend assez loin. Boum, les bras, tac, il vient, il s'embête pas à défendre. Team, hop, ok. Ils sont là. Pareil, l'autre il décroche, hein, il n'hésite pas. Hein. Pour possession de balle, il n'a pas fait une attaque, il décroche direct. Normalement, quand tu as le ballon ici, dès qu'il pose son dribble, il faut action de jeu, ou ben, l'autre il l'emmène ligne du bas, et puis l'autre, à ce moment-là, il vient fermer. Là, non, rien à foutre, l'autre il vient déjà. Là. C'est intéressant, ça veut dire que ça va être dès le premier drill, il va falloir bien regarder ça. Bien regarder bien loin parce qu'ils vont venir trapper. Ça, c'est bon. Enfin, ils ont tendance à jouer comme ça. Après, ils peuvent changer, hein, peu importe. Boum, regarde là, ils jouent. L'autre, il est déjà prêt là pour venir aider. Ok, ils sont là, faut lâcher. Tu gardes le ballon, tu te fais défoncer. Tu gardes le ballon, tu te fais défoncer. Tu driblotes un petit peu, t'es défoncé. Voilà, ça par contre, la petite triche en bas, ils aiment pas. Hein. La petite triche en bas, c'est-à-dire que là, si t'as regardé.
Regarde, je vais te la remettre vite fait. Tu vois, à chaque fois, il se font un peu avoir Fordenheim parce que, je sais pas, dès que tu deviens coupé un petit peu, vraiment baseline, il n'y a plus personne. Franchement, ça, faudra même pas hésiter. Panier. Hop, il récupère le ballon. Ça joue comment, là? Ça joue comment? Oula, j'ai fait jouer. Eh ben la 10, les gars, vous faites première 10 passes. C'est n'importe quoi. Ça. Commence à défendre. Commence à redéfendre. Ok. Ok, là si tu l'attaques direct, ses appuis sont comment, par exemple? Il va mettre sa main à chaque fois, va chercher loin derrière, il lève les bras. C'est tendance à lever les bras comme ça, pas aller chercher forcément, ou quand tu montes un peu, mais faut. Je pense qu'il va pas falloir hésiter d'aller chercher bien derrière les bras, de toute façon, sur des joueurs comme ça. Regarde, il met un peu sa main en première attaque, parce que de toute façon, il n'arrive pas à suivre. Regarde, je la remets, le 10 là, regarde, hop, il va mettre sa main droite parce qu'il peut pas suivre. Boum, il y en a un qui referme, de toute façon, ça sera. Faudra, ouais, ok. Et là, tu vois, il met juste ses bras comme ça, il va chercher derrière et normalement, ça faudra y aller. Donc là, défense encore, boum. Là, hop, ça coupe, ça suit. Ils se sont parlé, ils ont changé. Ils ont tendance à changer. Là, ça remonte pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Il donne en bas, il n'organise pas de coupe force. Ok, attends. Comment ça a défendu? Les verts, tac, tac. Un en retard, il revient, il se replace. Moi, sûrement, j'aurais le 6, à mon avis. À mon avis, j'aurais le 6, on va voir son déplacement, là. Pourquoi il est perdu dans ça? Là, le 6, il est là. Boum. Normalement, lui, il triche souvent. Il va le défendre loin. Il va pas falloir hésiter. Prendre les écrans mieux. Là, il est un peu en retard. Peut-être le drive un petit peu plus fort, là. Puis là, l'opposé, il y en a un qui est là. L'autre, il est pas remonté. Il a pas fait l'effort défensif. Le vert, tu vois. Tac, tac. S'il avait fait, ok. C'est un choix. Là, il attaque l'axe. Il y a faute. L'axe, ils aiment pas. Là, les frérots, Fordenheim, l'axe, ils aiment pas trop. Hein. Ça fait plaisir. Hein. Ça. J'avais pas encore vu ça, mais ça va être intéressant. Il met la main de chef. En plus, ce qui est hallucinant, c'est qu'à Fordenheim, il y a les gars, je crois que on dit de la COP ou je sais pas quoi, mais ils sont méga chauds au tambour et tout. Franchement, juste ça, moi, je suis pressé d'aller jouer. Juste pour ça, parce que j'adore les matchs où il y a de l'ambiance comme ça. Peu importe ce qu'ils disent, ouah, tu peux même insulter, je sais pas, je m'en moque. En tout cas, il y a de l'ambiance. C'est bon, juste ça, c'est juste bon, ça fait plaisir. Et puis, ça va être ça, c'est juste méga bien. J'espère qu'ils seront chaud patate à Fordenheim, parce qu'il va falloir être chaud patate, les gars. J'espère bien. Là, qu'est-ce qui se passe? Ok, je joue sur écran, hop, il n'y a pas vraiment de solution, ça shoot. Mais il est bon à ça, il prend l'écran. Il faudra faire attention à ça sur le 6, il faudra faire attention, il est là. Tu défends loin, il shoot. Donc moi, à mon avis... Si je change, il va falloir que mon joueur qui change, c'est direct. Toi, par exemple, là, on a changé. Dès qu'il a pris l'écran, le 7, admettons, il faut vraiment qu'il vienne directement lui mettre une pression défensive. Parce que sinon, le 6, lui, il va être allé sur le shoot. Vraiment, il va shooter et je pense qu'il va l'aimer. Donc, faut vraiment, si on le coach nous dit de changer, à mon avis, selon moi, il va falloir vraiment décrocher direct. Voilà ce que tu vois là, je m'y pose exprès, hein, voilà. Et si ça change pas, bah bien le coller, et si jamais je suis passé ou autre, bah l'emmener vers mon grand et il va venir, mais là j'ai pas à être passé normalement, voilà, parce que sinon hop, il prend son petit shoot direct et puis là c'est droit. Et après il est content, il fait ça, il est content. Ouh, la première, là attends, c'est intéressant, le 7. Réception, il est debout, il s'attend pas qu'il attaque, du coup il attaque, il a du retard, faut directement le coller sur l'attaque. Ouais, ça shoot direct, les gars ils hésitent pas. Ça coupe parce qu'ils se doutent que ça va faire ça, il joue toujours avec son écran lui. Le vert il parle pour changer à l'opposé, le 6 est toujours sur son joueur. Ok, là, rien à dire. Je regarde en même temps que vous hein, les gars. C'est intéressant, c'est l'équipe qu'on va jouer, ce qui va être marrant c'est de voir après nous comment on va les jouer du coup. Et savoir si on a vraiment appliqué ça. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, ok, la défense, le 9, après. Le 6, il défend, pas un cachou. Hop, bon rebond. Là, ça attaque, il met sa main. Ça vient décrocher, ça change. Met la main aussi, tac. Oula, il y a de la chatte. Pour siffler faute. Et en plus de ça, bon, on va passer à la partie Facebook. Et ce qui va être d'autant plus compliqué, les gars, c'est que les arbitres sont à 12 et 10 km, quoi. Normalement, nous, on fait, je sais pas combien de kilomètres, 400, 300 km. Tu prends des arbitres un peu au milieu, tu vois, pour pas. Non, là, ils ont pris des arbitres, ils sortent directement du grenier. Les arbitres!
C'est assez compliqué, enfin bref, c'est pas grave, on va pas chercher d'excuses déjà, on va y jouer. Si tu regardes avec la précédente vidéo où je t'explique justement que ma lecture de jeu n'était pas assez bien, où il fallait mieux analyser tout ça, bah là sur le match, les choix ils sont déjà beaucoup plus justes. Mes choix de tir, mes choix d'attaque sont beaucoup plus justes parce que comme je le répète, je regarde tout simplement le deuxième défenseur, pas le premier qui est en face de moi, mais les autres défenseurs qui sont derrière, voir leur tête. S'ils regardent à l'opposé, c'est que là je peux attaquer. S'ils regardent bien, c'est-à-dire que même si c'est fin de système et que c'est à moi de jouer que je vais attaquer, bah je sais qu'ils vont être serrés, donc là va falloir lâcher les ballons à l'opposé. Et c'est ce qui s'est passé un peu le match contre Nuit Saint-Georges contre les gars de Dijon où j'ai su relâcher directement et voilà. Et j'ai joué plus tranquille, je n'ai même pas essoufflé. Tu joues beaucoup plus serein, bien, avec une meilleure lecture de jeu, donc c'est important. Donc si t'as pas vu la vidéo précédente avec un gros dunk, bah va la voir en tout cas. Même moi, pour moi, c'est pas facile parce que des fois je dois voir mes erreurs, je dois les accepter face à mon erreur. Et c'est plus facile de se dire non, c'est pas moi, machin, mais non. Je pense qu'on a besoin de ça, vous avez besoin aussi que je vois mes erreurs facilement pour que vous progressiez. Et ça se trouve, je me trompe, le fait d'analyser un match qu'on va jouer là, le prochain, ou alors de parler sur mes vidéos, ça ne vous fait peut-être pas forcément progresser, donc n'hésitez pas à me faire un retour, les gars. On va grandir. La qualité, t'as vu, c'est un peu médiocre, là. Donc là, je sais même pas si elles sont... La vache. Je peux mettre pause, quand même. Ah, je peux mettre pause. Donc là, on va s'imaginer, hein. Là, on va imaginer quoi. Je vais pas. Donc voilà, les verts, on va voir un peu leur mouvement défensif ou leur attaque. On va voir. Donc là, ça va être intéressant de regarder un petit peu. On va pas mettre tout le match hein, parce que voilà, qualité. Là, il commence à jouer. Boum, il y a l'écran. Comment ça réagit derrière? Il roll, hein, c'est basique. Faut défense sur ça. Voilà, vache. Bon, on va mettre une autre image. Non, mais comment tu peux. Comment tu peux. Le live, autant pas faire de live là. Autant dire frérot, autant pas faire de live. Ah là, c'est un peu mieux là. C'est un peu mieux, on tient le truc. Là, ça... ah, il vient de pas fermer là, bizarrement. Il faut le tenir le grand. Ok, ça attaque, boum. J'espère qu'il n'y aura pas de pixels bizarres. Comment ça joue, Ferdinand? Comment vous jouez, les petits fufus? Écran pour qu'il remonte, là, il pose même pas l'écran. Ok, ils sont tous là. Oui, tous anciens. Il décroche là pour l'écran. Il veut attaquer le 6. Boum, ça shoot. Tu défends loin, le 6, il balance. Hein. Rien à foutre. Hein. Faut faire attention à ça, je pense, vraiment. Comment ça joue la boule, balle en bas. Ça défend comme ça, il est là. Boum, ça emmène, faute. Ils peuvent rien faire. Il est grand, lui. Je me rappelle pas avoir joué contre... Ah si, j'ai joué contre lui. Je m'en rappelais même plus. La même poule, moi je suis perdu. Moi c'est la première fois que je fais ça. D'habitude, j'ai rien à carrer des autres joueurs. D'ailleurs, les coachs, des fois, ils me disent ouais, de ce joueur-là, je sais même pas qui c'est. Philippe, Baptiste. Aucun intérêt pour moi de savoir qui c'est. Tu me parles juste de numéro, puis ça ira bien. Alors, le 6, comment il joue? Comment joue le 10? Comment joue les autres? Comment, hop, là, boum, il aurait pu attaquer. Non, il joue transverse. Toujours avec un écran, ça joue sur ça. Et derrière. Ah. S'il vous plaît. Bon, on avance. Ok. Tac. La défense. On va reprendre sur la défense. Hein, parce que là, c'était pas ouf. Ok. Ok, c'est panier dit. Oula. C'est quoi là? Comment ça. Oula. C'est pas ouf. On avance. Allez, hop, on va pas se taper le lancer franc encore. Ok, ok. Là, ça attaque. Boum, c'est bon sur ça. Comment tu joues? Ok. La défense, ses appuis. Ok, ouais, c'est pas non plus une grande défense, tout terrain, machin. C'est pas... Quand tu les attaques, ça reste assez ok. Ça, c'est loin sur ça. Possession du ballon. Comment ils vont jouer les contre-attaques? Ça, on joue pas beaucoup à ce que je vois. Hop. Petit écran, ils regardent comment ça se passe. Ça shoot derrière, ils se créent un petit shoot. Ça remonte doucement, ça remonte doucement. Il va falloir faire des contre-attaques, ça les secoue un peu, je pense. Ça va leur faire un peu du bien. Là, ok, c'est comme ça et ça se bat là. À l'opposé, ça se passe comment? En fait, je regarde surtout aussi, c'est, je m'imagine moi en tant que joueur, c'est-à-dire quand je suis en possession du ballon, qu'est-ce qui se passe, comme je vous ai dit dans une des vidéos, au niveau de la défense en bas, comment on peut jouer? Là, est-ce que je peux attaquer direct? Non, bah là, j'aurais pas pu. Qu'est-ce qui se passe en bas? Tu vois, là, boum, là, je peux attaquer. Tu vois, possession du ballon, je suis le trait, je dois attaquer. Bam, dans l'axe. Hop, et l'autre, il vient un peu en retard et c'est parfait.
Admettons, tu vois, là, jouer sur le main à main. À l'opposé, le 11, là, faut faire. Là, tu vois, tout le monde regarde à l'opposé, si tu remarques. Ils regardent tous à l'opposé. Driver, boum. Donc, ça, ils peuvent avoir des petites. Ok, bref. Ça, c'est pour moi. C'est mon analyse à moi, personnelle. Voilà. Tac. Possession du ballon. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qui se passe en bas, là? Est-ce qu'on pourrait driver, là? Boum, attaquer. Non, là, faut lâcher. Ouais, non, ça shoot, ok. Faut shooter aussi. C'est un détail. Pas oublié. Ah, doucement sur le point-point, Johnny. Tu me casses les oreilles. On avance, ok, ça joue comme ça. Ils attendent bien leur système comme ceci. Ils font l'écran, ça joue avec l'écran. Généralement, ils jouent même pas le pick and roll ou quoi, faut pas avoir peur, ça joue direct pour eux. Oula, il aurait pu y aller, ok. Il récupère. Oula, gros, ça shoot direct. Il est confiant, Johnny. Confiant, lui, là. Bien joué. Tac, c'est parti. Ah, il y a une petite contre-attaque quand même là. Hop, ça lâche. Ok, ouais, contre-attaque gentil. Ok, ça rejoue sur une petite contre-attaque. Il va choisir le 4 opposé. Lui, il shoot lui. Hein. Il n'hésite pas lui. Lui, c'est quel lui? Je sais même pas. J'arrive même pas à voir le numéro tellement que c'est flou. Mais en tout cas, lui, ça shoot. Faudra faire gaffe. Tac. Oula, il a oublié de venir à l'opposé, chef. Oula, il aurait dû tirer direct. Je sais pas pourquoi. Dommage. Il aurait dû. Regarde. On va la remettre les frérots. Regarde, tac, boum, hein, il joue bien le petit truc et lui à l'opposé il est perdu. Donc les grands, je pense que eux, s'ils arrivent à voir que l'autre, Furdenheim, n'est pas placé bien correctement, tu vois, comme c'est vraiment balle à l'opposé, si on remarque que balle, il n'est pas bien placé pour être dans l'aide, bah demander deux ballons direct, jouer son 1 contre 1 et puis en bas, puis le jouer quoi directement. Parce que regarde, l'autre, il va arriver en retard, tu vois. Là, normalement, tu gardes les bras en l'air et tu retires direct. Essaye pas de l'air baisser, sinon ça laisse la chance au petit de venir retirer. Donc ça, faut vraiment éviter. Après, voilà, je suis pas. Moi, l'analyse, je le fais, c'est un peu à la bonne franquette. Hein. Je te fais ça comme ça, se trouve, il y a des termes à dire ou quoi, j'en sais rien, moi, je connais pas du tout. Je n'ai juste la plupart des petits trucs, voilà, je viens pas critiquer aucun joueur ou autre. Hein. C'est vraiment, j'analyse ce qu'ils font un petit peu, comment on pourrait mieux s'en sortir sur l'attaque, leur façon de jouer. Lui, là-haut, il est tranquille, hein, les mains sur les genoux, pas de soucis. Petit écran. Ah, quand même, le petit pick and pop, on va dire. Ouais. Ok, il se crée un shoot, normal, lui. Comment il se positionne en défense? Si on attaque là, direct, ça ferait quoi? Ok, lui, il serait là. Ouais, non, mauvais truc. Mauvais bail, de toute façon. Il la met au pas. Eh non, il a pas mis. Ok, boum, là il est là, tout le monde est dans la raquette, là, faut même pas attaquer. Là, quand t'es là, boum, là tu peux. Oui, il y a quelqu'un quand même, j'avais pas vu. Faire attention à ces balles-là. Puis là, il va shooter, et il va rien mettre, il va rien toucher. À l'opposé, il y a personne. Ouais, il arrive bien trop tard. Ok, donc quand il est en retard, c'est plus compliqué. Tac. Là, tu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer en bas? Ok, ok, donner au grand, boum. Ok. Donc là, les frérots, voilà. On a essayé de regarder un petit peu. Hein, bon, il va nous refaire une analyse, le coach, je pense. Il nous en a parlé beaucoup, de toute façon, cette semaine, nous préparer. C'est les premiers. Furdenheim, voilà. Nous, on est, je crois, deux ou troisième. Je sais même plus, les gars. Moi, je joue, je veux juste gagner, m'amuser. Et voilà, ramenez-nous du public à Furdenheim. C'est juste. Voilà, en plus, après, il y a une soirée carnaval. Donc, je sais pas si je vais emmener mon déguisement. Mais voilà, ça va être méga génial dans tous les cas, ce match, je pense. Et puis, voilà, faut essayer de regarder, faire attention. Après, avec leur création de shoot, si tu le colles pas, il va nous en mettre plein de nuzettes. Donc on sait déjà que les entraînements qu'on va faire là, cette semaine, bah, va falloir que je défende prêt et me mettre souvent sur des, voilà, ceux qui shootent ou autres et défendre prêt, pas être justement c'est l'entraînement, je joue sur un jeune et puis être laxiste ou quoi, non, vraiment aller chercher vraiment très proche pour le shoot et être réactif sur le drive, faire attention à ça, après beaucoup prendre l'axe au niveau de l'entraînement parce qu'on voit qu'ils ont assez du mal, bien regarder encore, bah, savoir les bonnes zones d'attaque quand il faut attaquer, pas attaquer, c'est de progresser encore sur ça, sur les entraînements. Vous, j'espère que vous vous analysez aussi derrière ça, que vous analysez un peu ce que je peux dire et tout, les échanges qu'on peut avoir, bah, pour donner le meilleur de vous-même sur le terrain. Et puis voilà, on va être encore meilleur, que vous perdez, que vous gagnez. On cherche toujours les points négatifs, les points positifs. D'ailleurs, sortez-moi vos points positifs et négatifs. Je veux voir ça en bas dans les commentaires.
Parce que là, on est, attends, juste 80 000 abonnés. Je me dois de vous récompenser à vous répondre au moins en commentaire, les frérots. En tout cas, les gars, voilà, petit kiff de vidéo. Hein, j'ai essayé de trouver un petit concept. Je sais pas si ça va vous plaire, les frérots, mais voilà, moi, ça m'a plu. Moi, ça m'a donné du sourire. J'espère que vous aussi, ça va se ressentir. Désolé pour la qualité de ce match-là. En tout cas, on a fait au mieux. Voilà, j'ai essayé de regarder 2-3 trucs. Et puis voilà, quoi, les frérots. Voilà, c'est tout, c'est tout.